Monsieur le chef de la délégation de l'Union ce Guinée-Matin, on veut vous poser une question. Vous venez de rencontrer le chef de file de l'opposition à la veille d'une marche de l'opposition. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il a été question? Alors, en fait, simplement, tout d'abord, c'était une visite de courtoisie, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas rencontré ainsi. Aussi, pour discuter un peu de la situation actuelle, surtout en termes de suivi de la du 12 octobre, les différents points de l'accord et l'actualité politique en ce moment. J'ai profité de l'occasion pour féliciter le chef de l'opposition et tous ceux qui ont œuvré avec lui pour le bon déroulement de la manifestation du 2 août, hein, qui a montré l'exemple de ce que l'opposition, avec le gouvernement, avec la police, la gendarmerie, les organisations de la société civile ont pu faire pour que cette manifestation se passe dans de bonnes conditions. La Guinée ainsi donne un peu de bon exemple, hein, par rapport à la liberté d'expression et l'organisation possible de manifestations si l'autre partie estime nécessaire de s'exprimer ainsi. Voilà, et nous avons aussi, comme je disais, fait un peu le point de différents points de l'accord du 12 octobre, les points qui ont eu des avancées, les points qui nécessitent encore une attention particulière. Merci. Merci, monsieur le président. Un mot? Non, écoutez, il a bien résumé les points qu'on a abordés, l'application de l'accord, naturellement, les soucis, la préoccupation à exprimer par rapport à cette manifestation et souhaite qu'elle se passe comme celle du 2 août, qu'il n'y a pas eu de dégâts, qu'il n'y a pas eu de violence. Je dis qu'on fera en sorte que celle de demain se passe dans les meilleures conditions. Déjà, le comité d'organisation, les forces de défense et de sécurité sous la présidence du gouvernement se retrouvaient hier pour envisager toutes les dispositions pour que la manifestation soit une manifestation pacifique. Pas de préjudice aux citoyens. Merci. Merci.